Mercredi 10 mai 2023, bonjour les bakako partout dans le monde, beauté, paix, boye, bola, mon amana, canabino, yapo, na Congo, na bakongo, manion, soit éparpillé à travers le monde, aux alliés ensemble, toujours dans le cadre, yako, l'obéla, kamaï, matali, République démocratique du Congo, bonjour, l'andabiso, libanda, topé, na kati, amboka, Congo, yébisa, moninga, kepo, na Congo, et bandit, tous on dirait qu'il y a montagne à Congo, Buzz télévision, sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook, bande quoi YouTube, bonjour Abisso, juste après la journée et n'est tout ça, la toujours contribuer dans cela. Il y a Makanis Nabino, Kopesa, Yabino, Mayele, Nawe, Talibongo, développement, il y a Mboka, Yabakoko, Nabisso, Nabasango, Natongo, Alelo, force régionale de l'EAC et Koki, Kolungwana, RDC, fin juin, ce qui va résultat, Ezali, Omala, Mumigite, Ezali, bon, Maloba. Tata Mokondia Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Utabu Tshwana Bisika wapi Azwamaki a révélé que bah problème moko ezali sur le plan ya fonctionnement bah contingent mosus ya ba force régionale bah loba ki clairement que bango ba epona kubunda etumbate kasi baende opona mission ya maintien de la paix. Quelques mois après, plus de 6 mois après, il faut faire l'évaluation pour na komona ba résultat kasi toyebi que société civile paix ezali ki da d'accord, mingi mingi te na o etali bongo mosala ya ba force régionale ba misu babani na moko sala bilanga ba misu babani osala tourisme mosala na bango penza penza ezoye bana tete tamo konde kolo azongi pona koloba que ce qui est simbité ti joie et singeli ba kende ndenge pe tozu na biso déjà boye déploiement ya ba force ya SADC koza malamu mingi EAC e kende e sango mosusu population ya Goma ba sangana ki l'équipe on a qu'à rendre hommage à ma victime il y a catastrophe il y a calé oh écoute qui la vie n'a plus de 400 personnes bah disparu en dengue en dengue oh et ça les maquis micolé qui n'a inondation plutôt excusez-moi et autre chose aide à gouvernement et comme qui n'a calé lobby et l'équipe ou équipe gouvernementale les acquis sur place et bah kabola qui va vivre pe bah non vivre et motango moko et pesa maki à 1130 $ na chaque famille à bas sinistré et zali bon aide à gouvernement pe le lenge y a tata mokondi koloko senga bah condoléances ko pesa bah condoléances pe ko soutenir bandeko yo ba kufeli ba o ya bango pe balaki biso ke ba mesure mosusu e kozwa makino suka ya mission na bango audit externe du fichier électoral après ba journée porte ouverte et Salemaki n'a pas partie prenante signé accordé 48 heures n'a pas candidat au balingi baza bakende kodité fichier ya ba électeur pour na ba élection et saliko bongama le 20 décembre prochain et ba fixer également conditions pour na ko déposer ba dossier ou koza la bongo retenu na niveau ya signé singeli ko loba na bo solo ke tozo kende petit à petit vers ba élection oui, que ça les marna décembre 2023 à quelques mois des élections ni les retenir ni koyeba na ou etali etay mboka lelo ezali édition spéciale to réfléchir na bande kubaza na biso sur place mboka ezala ki na niveau nini Félix Tshisekedi d'Armémie ango wapi sika nini tozo kende na mboka Congo sur quelle échelle na domaine nini to évoluer nini salemi te to kolobela Congo moko na lelo na mona mboka Jérémy Kiloubou azali bongo acteur politique, expert en finances publiques, au cadre ya IREC et puis membre ya la communicateur ya ICOR, Union de communicateurs de la République on a kati union sacrée mon amboka. Ko déjà ko rejoindre biso ezamba liboso ko yamba na plateau na biso mbote pe boye bolam. Merci beaucoup madame Nombi. C'est pas une makasi na musala awa. La tuza kitoko makasi. En tout cas félicitations na bino.
Très bien. Merci beaucoup, Mme Boka. Toyambio, Naesika, Otozali, na Maître Jano Lopepe. Salut, moi, Mikole Belen, de Koya FCC. Mme Boka, qui va rejoindre Bisho, Moko, y a communicateur, y a FCC, qui déjà, Kofusana, Mbote, Pe, Boye, Bola. Mouti, madame, merci beaucoup pour l'invitation, Mano. Merci beaucoup. Attends, Zakwa, Kizakanga, mais, Oyebi, qui, Toyaka, na la télévision, sur base d'invitation. Donc, les gens connaissent la bisoutouille dans le plateau. Ils ont appris à se payer les mots de mine partout dans la région de Tonga. Ils ont besoin de poser des informations. Ils ont besoin de chaque jour, toujours en casse-ciment. Au lieu d'avancer, malheureusement, beaucoup de choses en casse-ciment. Merci beaucoup, maman. Très bien. On a des quoi FCC, beaucoup de choses en casse-ciment. Et pour on a besoin de besoin d'un abysso, beaucoup de communes à na échelle, ni na domaine, ni tout évoluer, ni domaine, ni tout zongi simande. Maman Ali Kambo, on a besoin à moko, on a le lot, yambo, to ozwa bongo, na souka, marche, yaba opposant, oh, bah, on va lobby, kenyon, ce zo tambo, la malam, t'es le 13 mai, oh, samedi, bah, cause à la bongo, na balabala, délice sangana, on vole, Moïse Katumbina, ensemble pour la République, Martin Fayoluna, la mouka, et Sidé, matata ponyo na LGD balobi ke nyonso ezali kotambola malamu te nyonso ezongi sima balambuka bazo souffrir. Est-ce vrai ou faux? Est-ce que au président Félix Tshisekedi azo mérité deuxième mandat na mosalo a bandi po akota nango eza mituna toko mituna a quelques mois des élections po yondo zola nanga na ndako yondo ko décider nani fo akamba mboka nani fo a mema a venir na biso pendant 5 ans ceux qui ont eu âge no alelo baki 6-5 ans, c'est-à-dire que pour ça, donc il faut voir la décision. Ezali Malam ou Mingi Mwanamboka, Jérémy Kiloubou, Makambu, Yamboka Congo, Lelo, Tokomina Nifo Nini, Nechel Nini. Ce qu'il faut penser au Bandela Ngobongo, Nechel Nini, tout évoluer, Nechel Nini, tout réquiller, na plan Nini, na domaine Nini, Lelo, na Moussala Félix, qui la sali, aux en a 5 minutes. Merci beaucoup, Maman Naomi, pour la Maloba. Nakanisi. Makambo Félix Azali ko sala pona ko développer ngoma lamu pona ko expliquer ngoma lamu il faut mon ndambo ya ma dose ya honnêteté za na kati na biso tadi ko ta la réalité en face ko mona makambo na ndenge za laki na kala na ndenge za li lelo na ndenge za li ko kende le boso to ko kende ngona ba secteur nyonso ya vie économie ya mboka to ko kende na secteur ya emploi to ko kende na secteur ya sécurité to ko kende na secteur ya ya économie. Donc, il y a un secteur politique. Dans le secteur d'emploi, moi, Naomi, il faut aborder ma cambouna. Où est-ce que tu écoutes? Où est-ce que tu as ça? Où est-ce que tu as compté que tu as ça? Je pense que vous le savez, Madame Naomi, que dans ce pays, un enseignant touché 164 000 francs congolais. Je vous donne le montant avec précision parce que moi-même, je suis de ce pays. C'est le salaire que j'ai touché il y a 4 ans. J'ai touché 164 000 francs congolais. Les militaires que vous voyez aujourd'hui, militaires y a C, abandonné qu'on touchait 96 000 francs congolais. Ils allaient des informations, ils allaient à qu'on bombardait, c'est vérifiable. Les lois, Madame Naomi, après 2 ans, je parle de 2 ans, je ne parle pas de 4 ans, je parle de 2 ans. Parce que Félix Tshisekedi, na ouya sali, faut que ça ait 2 ans. Parce que vous voyez bien, Covid des oies, une année, nous étions enfermés dans la Il en est à Covid, tout compter en côté. Mais non, dans un peu contexte, pour retour à Mitouna Nasuka, tu as eu une année à FCC, où tu as décidé qu'il y a un clic dans la banque, tu as mouru, Moussala est chef de l'État. Une année à chef FCC, président Goloba Boye, tu as eu un clic dans la banque, et tant que le chef a mouru, tu as eu un animé dans la mauvaise foi. Il a décidé à se débarrasser de Bango. Et le 2 ans, où est-ce que tu as pour mon aller résoudre. Un enseignant quitte de 164 000 francs congolais à Bango touché. Les lots, enseignant ngai ngai salaire n'a pas tembe. Je touche 410 000 francs congolais. Madame, à l'espace de 2 ans, il te casse les matins. Tout le matin, Tamponio, oh babengaki premier ministre le plus célèbre. Il n'a ajouté que 25 000 francs congolais fois 2 par enseignant. Félix fait dans les 2 ans, il quadruple
on quitte de 162 000, 164 000 à 410 000. Madame, c'est énorme. Le militaire quitte de 96 000 les moins payés. Aujourd'hui, ils sont à pratiquement 300 et quelques mille. Madame, c'est un bilan, madame. Là, c'est sur le plan travail. Aujourd'hui, nous lançons le programme de 145 territoires, madame. Vous le savez, dans notre pays, nos économies sont centrées autour des villes. Nous savons que le territoire n'a pratiquement aucun revenu sur le plan recette, parce qu'ils n'ont pas où aller prendre ces recettes. Ils cantonnent autour des marchés, des petits marchés. Ben, Roussin, ma maman, batiqué ça et là. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire les économies des territoires en lançant un vaste programme qui n'a jamais été lancé dans notre pays depuis qu'il est pays. Le programme de développement des 145 territoires. Madame, aujourd'hui, c'est pour la première fois en RDC qu'on achète 5000 engins lourds. Je dis bien 5000 engins lourds pour lancer les travaux de construction. Nous aurons 603 bâtiments administratifs sur tous les territoires nationaux. 603 bâtiments administratifs. Plus de 7000 écoles. Plus de 8000 hôpitaux. Madame Naomi. Le développement de 145 territoires, ça s'exécute. Je parle du développement de 141 territoires. Allez voir Besseco, allez voir PNUD. Ce sont les agences qui sont en train d'exécuter. Je suis en train de vous parler à ce qui concerne l'emploi. Le 145 territoires, dans son exécution, les ouvriers ou le travailleur sont les gens qui sont recrutés dans les différents territoires. Ça n'a jamais été, madame. Si vous cherchez un emploi ici à Kinshasa, sachez qu'à Kabeyakamanga, il y a des gens qui cherchent aussi l'emploi. À Abujala, il y a des gens qui cherchent l'emploi. C'est pour la première fois un monsieur né et grandi à Abujala s'est vu être recruté pour exercer un travail. En contrepartie, il a un salaire. C'est pour dire que sur le plan emploi, il y a cette volonté de booster les choses au niveau de la base, au niveau des territoires. Il faut comprendre, madame, la République, ce n'est pas Kinshasa. La République, c'est aussi nos territoires. Sur l'aspect sécuritaire, madame, sur le plan sécuritaire, parce que vous m'avez accordé que 5 minutes, ouais. Acceptez que nous ramassions des choses de façon... nous prenons les choses de façon ramassée. Félix Tshisekedi a un double défi sur le plan sécuritaire. C'est encore pour la première fois, madame, que dans ces pays, nous ayons un président de la République qui, d'un côté, fait face d'un conflit armé qu'il faut tenir, de l'autre côté, une armée à réformer. Est-ce que vous le savez, madame Naomi, que notre armée, Félix l'a trouvée la plus vieille de la République? L'âge moyen dans notre armée actuelle, c'est 50 ans. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce sont des papas responsables qui sont dans l'armée, qui ne sont pas en mesure de faire une guerre et de la gagner. Félix a trouvé un pays où même l'île Maurice serait en mesure de nous battre. Mais il fallait y aller avec les deux fronts. D'un côté, réformer. Il a lancé le recrutement pour la première fois qu'on lance le recrutement sur pratiquement toute l'étendue de la République. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, madame. On recrute 10 000 jeunes à Kinshasa, 10 000 jeunes à Kananga, à Bandundouville. Aujourd'hui, nous sommes en train de rajeunir notre armée. C'est pour la première fois dans notre pays. Je pense que nous l'avons vu dans les réseaux sociaux. Voir que l'armée se dote de matériel sophistiqué. C'est pour la première fois, madame, que vous voyez que nous achetons des drones de combat. C'est pour la première fois, madame. Ça, il y a une volonté politique, madame. Il y a quelqu'un qui a voulu que ça soit ainsi. Sur le plan économique, madame, parce que je vous vois se presser pour me retourner la parole. Sur le plan économique, madame, prenons un aspect, la gestion de la chose publique, madame. Est-ce que vous savez que nous avons un budget de 16 milliards de dollars? Est-ce que vous le savez, madame? Nous quittons à l'espace de 2 ans. Je dis bien, je pèse mes mots, à l'espace de 2 ans. Un budget de 4,5 milliards de dollars à un budget de 16 milliards de dollars. Madame, c'est louable. C'est louable. Que nous l'aimions ou pas, c'est pourquoi dès le départ, j'ai dit, voyons la réalité en face. Ce que Félix est en train de faire, ce n'est pas complet, ce n'est pas définitif, ce n'est pas stable, mais c'était le jeu. Cet ambulant est logé. Il doit être encouragé pour continuer le travail. Madame, aujourd'hui, vous ne le savez pas. Vous savez que les FCC a pu recruter 400 000 agents fictifs pour des raisons électorales au niveau de la fonction publique. Est-ce que vous le savez?
Ce n'est pas devant elle. C'est ce que nous allons débattre de la République, Madame Naomi. Moi, je pense à un certain moment, faites un effort de mettre sous embargo tout ce qui est invité FCC. Parce que c'est douloureux. Ah, mais c'est la démocratie. Non, non, droit au loba. Ça, c'est oui. Nous avons consenti d'avoir un pays démocratique. Mais au moins, sous le plan de fait, le FCC a joué ce pays. Aujourd'hui, l'UGF nous dit que au niveau de la fonction publique, l'État perd 64 millions de dollars le mois, Madame Naomi, le mois. Si vous multipliez 64 millions de dollars le, fois 12, ça vous donne ce que nous perdons l'année. Si vous le multipliez pendant les 18 ans, plus le 4 ans, les 3 ans de Félix, parce que jusqu'ici, ce n'est pas réglé, Madame, nous allons à pratiquement 16 à 17 milliards de dollars qui entraient dans les poches de dirigeants du FCC, Madame. Vous pensez que les gens pareils, nous pourrons encore leur donner confiance, on pourra encore même les entendre. Ils pourront bien parler, mais entendre défendre nous. Là, c'est sur le plan économique, madame. Oui, je suis en train de chiter. Sur le plan politique, madame. Est-ce que vous savez aujourd'hui que vous pouvez tout dire sur le plateau de télévision? Il n'y a pas de fausses commis. Il n'y a pas de cachot de l'année. Est-ce que vous connaissez le DG de l'année qui s'appelle comment? Madame, si vous pouvez me répondre, c'est juste une petite question. Le DG de l'année s'appelle comment? C'est moi qui pose des questions, oui, malheureusement. Mais à l'époque de Kabila, DG de la NER, Kalev Mouton, s'il tousse à côté de toi demain, tu es mort. Il suffit qu'il tousse, on te tue demain. Aujourd'hui, la vie politique est normalisée. C'est un bilan, Madame Naomi. C'est un bilan. Aujourd'hui, on ne sait plus parler des forces communes. C'est un bilan, Madame. Les Congolais, à un certain moment, doivent savoir qu'est-ce qu'ils veulent au juste. Est-ce que vous voulez qu'on évolue? Parce que nous n'avons plus l'engagement dans notre constitution de bâtir un État prospère, un État démocratique. Nous sommes en train d'aller vers cela. C'est lui qui amène ce développement, cette prospérité, cette démocratie. Il a besoin de notre soutien. Très bien. Parce que nous risquerons demain de retomber sous les mêmes personnes qui ont tué. Autrefois, cette fois-là, ils se diront, ah, ces Congolais sont des boucs. Merci beaucoup, Mwanamboka. Likambo Anier, chef de l'État, la rabe à prison, Bakacho et Kokarama. Est-ce que Kokarama déjà? Mais je vous pose la question, citez-moi 5 personnes que vous connaissez au bas de la prison en Anier, madame. Je vous parle même la personne qui conduit, qui dirige l'Anier. Comment il s'appelle? 99% des Congolais ne les connaissent pas. Comment ça par moi? Je ne connais pas son nom. Mais à l'époque, Kalev roulait avec de blindés pratiquement, madame. Kalev Mouton. Nous étions dans une prison, pratiquement dans une prison à ciel ouvert. À ciel ouvert. Aujourd'hui, les choses se normalisent. Cela ne se normalise pas du fait que ça s'est normalisé de soi. Il y a une volonté politique. Dans cette volonté, dans cette attitude, cette façon de faire des dirigeants, c'est un bilan qu'on doit leur donner. Très bien. Merci beaucoup, Madame Boka. 6 mois, à peine, toujours que dans ma pronomie, à quelques mois des élections, c'est sous 7 mois, parce que tous en un mois de mai, une découverte FCC a été sur place. Déjà, le mot FCC, il y a un peu de ma pronomie. Mais comment est-ce que vous évaluez 4 ans, Félix? Est-ce que c'est d'abord le temps de faire l'évaluation, ce qu'il faut? Madame Naomi, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que non, je vais réussir le même état d'antenne parce qu'il a beaucoup parlé. Moi, le bébé, là, on a obligé de faire la c'est pas congolais, la vérité. On a évité ceux qui ne connaissent pas aussi dans la boue et des pèses. Parce qu'en réalité, chaque fois qu'on a débattu, il y a des pèses. On a des mots, on a 4 à maquilla. Et l'ADEM, c'est de dire les mensonges. C'est un cadre, monsieur. Je vais vous rappeler ça. Alors, je vais vous rappeler il y a un an. Vous connaissez M. Mbelou, Hervé Mbelou? Tu sais comment il se comporte? Tu sais comment, depuis que Mbelou est là, il a arrêté combien de personnes? Lui, il est bien. Où t'es? Je vais vous rappeler M. Mbelou, s'il vous plaît. Non, il ne faut pas déranger, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est juste une question. Tu as parlé plus de 10 minutes ou 15 minutes, monsieur. Calmement. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Parce que d'abord, ma pouvoir, il faut laisser moi le temps. La paix au cas aujourd'hui, Manix, il y a des arabes. Oui, paix ça. A quand là, il y a une année. Obi, quand au moment où il y a parti en vol, il est à l'année. Obi, moment où il y a perdu, il est à l'année. On a le temps de l'on a chaque province.
Tu te vends ici dans les plateaux, non? Kaleb n'a pas blindé. Yo, mon Kaleb n'a blindé dans Bogao. De quel il doit sur le plan à texte? Un administrateur général, Anne, à côté de mon blindé. Dans quel pays? Tu as déjà vu le comptage de Mbelu ici, c'est boulevard. Au moins, on voit déjà. Comment les gens le pareil? Il vient, il commence à arriver à la télé, il raconte maman plutôt de bien monter. Au second, on a déjà un comptage à Mbelu, comment? Attends-moi là. Tu as vu ça ici à Kinshasa? Attends-moi là, Rémi. C'est grave. Et alors, bon, non, la personne qui a quelques échantillons, ce qui n'a qu'un dans la province, c'est catastrophique. Non, mais par rapport à... S'il vous plaît, madame, laissez-moi le temps. N'a qu'un dans la province, il y a Okatan. L'année arrête, même le mineur. Je vis un cadre du PPRD. Arrêtez par l'année. Sous le succès de qui? Autorité à l'année. Mais la zone va mieux, non? À l'année, il n'y a absolument rien du tout. Vous connaissez des cassos. Si le lobe on va créer un mot sous l'administration de Monsieur Avem Belou. On est bien, autant. Mais tu viens à la télé, on se raconte, parce que vous avez la personne, non? Il était à l'émission, avec le maman Félix. Non. La moindre des choses, posez la question. Tout le monde va ça à l'année. C'est ce qui se passe à l'année. L'année de Tshisekedi, ce n'est pas modèle. C'est comme ça que nous disons, madame. Comme à l'INEPES, parce qu'il y avait une politique, il y a diabolisation. C'est ça l'image. L'année de Tshisekedi, ici, on arrête les gens. Même pour visiter, ça va une logique malingradée. Tu sais aujourd'hui combien de mois, 5 mois, Mani s'est porté disparu. Hein? Parce que on a sa année, ni sa femme, ni sa famille, ni même son avocat conseil, parce qu'on t'a raté. Mais il vient dans les plateaux, il dit, oh, voilà, on a tout changé à l'année. C'est dommage encore. Et les manques comme il y a eu qui a eu. N'est-ce pas secteur, il y a sécurité d'abord. Avant d'avoir un emploi. C'est bien de parloter. Est-ce que, au Yébi, que je vois remise et reprise, poser la question de Yosaké, madame. Kabila, qui n'a pas de Tshisekedi, dans tous les centres de formation à faire ADC, pose la question à Tshisekedi, n'a pas collaboré, n'a pas eu. Sur le plan logistique, il y a beaucoup à eux. Comment Kabila préparé pour préserver l'unité, la souveraineté à Bokao face aux pays voisins? Mais ce n'est pas le cas avec Tshisekedi. J'aurais voulu que s'il est réellement communicateur, comme les autres, alors attends, comment drone Moko, au Tshisekedi à ce moment-là. Tu sais, attends, drone Moko, on est un caméra, madame. Aujourd'hui avec la technologie, qui est Basoma qui drone, et s'il volait notre soeur, l'espace aérien, au moins en moi. S'il vous plaît, madame. Madame, je suis en train d'économiser mon temps. Oui. Attends, pourquoi tu as un côté? Mais comme c'est une politique, il y a une épaisse, il y a le Bagalokuta. Quand il vient au plateau, il faut commencer à inventer. À l'avion, non, parce que l'avion, avion est bien monté. L'avion que le Rwanda baptisa dans notre sol, dans le colonne, c'est une rien. Son histoire est laissée par Kabila. Ceux qui ne sont pas ça, s'il est réellement de l'Union sacrée, posez la question aux états-major qui s'est tué. Posez la question à M. Jean-Pierre Bemba. Posez la question aux états-major général FADC. Par contre, c'est que non, c'est sur l'histoire que Kabila a laissée. N'a qu'à t'y armer. Mais c'est qu'il y a un grand. Oui, je ne comprends pas, il y a une épaisse. Il dit dans les plateaux, non, voilà, et tu sais qu'elle a trouvé que non, armée existe à vite. Dans ce pays. Ceux qui d'abord, tu sais qu'elle lui-même, comme président, il a reconnu que dans ce pays, il y a une armée républicaine. Parce qu'il y a des étapes. Les gens ne savent pas que non. Tout le processus, il y a réforme dans notre armée. Même au niveau de la PNC. Bah, tu vas y aller à côté. Mais il y a un plateau. Il contrôle même son chef politique de fille. C'est ce qu'il y a de Tulo. Oh non, c'est ce qu'il n'a pas trouvé une armée. Il y a un peu de chaos. Ah, il y a un peu de militaire. On va se poser la question. On va dans le secteur de Rwanda. Il y a un peu de l'armée. C'est ça qu'il y a aussi. Donc, ce qui est un peu de l'armée, c'est ce qu'il a fait quoi? A créé l'armée à Sika. N'a créé ce donc armée à la guité et comment nous on a si à défendre le Bokao face aux ennemis. Et il y a créé lui. Et nous remonter. Nous savons que c'est madame. Ce sont les mensonges à l'INEPES. Mensonges à la plateau. Il n'a pas les arguments. Pour être toi qui n'a fait le fin mandat. Bientôt c'est 5 ans. Autour des questions sont simples. Tout ça, l'évaluation a mis parcours. D'ici c'est la fin. Il t'attend. Pour être comme mon homme, c'est Kabila, non, ça c'est pas sérieux. Mais quand même dire que dans 4 ans, il aurait ça, s'il vous plaît, il a volé un emploi.
Tu sais, Bato Bazana Kandaya, tu sais que tu le mot. Dans ce pays, c'est d'abord dans son parti politique. C'est dans son parti. Sauf que tu sais qu'elle a créé des emplois, madame. En forêt, il y a majeur. Il y a tous les Congolais. Dans une personne, dans la 12e et dans la 10e, il y a une idée. Mais Bato Bazana, il y a un temps. Pourquoi les gens passent tout le temps dans la 10e, il y a une idée, dans la 16e, il y a une idée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les emplois. Si quelqu'un travaille chaque jour, est-ce qu'il a le temps encore de me rendre debout dans la place ou non? Allez poser la question, oui. Madame Naomi, aux agents d'investigation, posez, qui t'a sur le terrain, qui est né dans la salle de l'IDPS, tu as comme icône, tous les gens pourront aller de Maga Awa. Bakoué, il sait que nous avons mis ça à la tête. Tokéloa. Au côté de la carte, il y a 10e résidentiel. Tous ces états mangeant dans la bâche, ils vont dans la Gawana. Moussa la Baroni. Ils n'ont pas les emplois. Mais il faut d'avoir pour la relier moi, pour la remettre la guerre, pour la refaire un bâton sous. C'est ça, nous allons là-bas. Mais il parle de plateau, non, c'est ce qu'elle a créé d'emploi. Dans quel secteur? Parce que la plupart d'emplois ont été créés dans ce pays. C'est à travers les réformes. Vous ne pouvez pas remonter, madame. Lorsqu'on crée ça, la réforme, c'est pour booster ma investissement. Il y a un investissement dans le secteur, on a la réforme et ça l'a mis dans le monde. Ce qu'on a vu qu'il y a eu, dis-moi dans quelle réforme, ça l'a mis. Pour la continuer comme investisseur, c'est nulle part. Zéro. N'a pas sûr que tu sais que dans un président, oh, tu n'as parti de masse. Bah, ça va quand même. Mais à créer ni l'eau comme voté. Mais dans les plateaux, il y a voilà, le secteur d'emploi, avant d'avoir 160 000, et encore il y a 400 000. Mon soleil matin, quand même. S'il vous plaît, madame. Les calculs sont simples. Il semble à cause de la grande, à cause de la question économique, ou bien la finance publique. Mais dans 160 000, avec 400 000, ou à combien de gens, dans l'espace à toi, il y a combien? C'est ça le problème. Par rapport à taux, il y a marché. C'est combien? C'est ça le problème. Là, il ne le montre pas. Mais il se contente de non, Nazarana, c'est comme non, ils avaient sous ce comité. C'est comme des échangeurs. Et comment dit la COP? Hein? Quelqu'un qui est là-bas, mais elle va dire que non, Bachanza, c'est tu ou là, Bachanza, elle est bien rentrée. Mais il vient dans les plateaux à Gouivante ou non, voilà, je suis allé se couper. Mais le bien, s'il vous plaît, madame, n'a pas de salaire. S'il vous plaît, madame, et ça, quand même, je vais montrer par rapport à taux de change sur le marché, sur zéro. Au moins, ok, non, on a sur le marché. Il y a Bilo, il y a collé pour convertir les 400 000 guerriers à Jouzo en haut, équivalent au moins 150 dollars aujourd'hui, à consommer dans le marché. Parce qu'ils donnent l'impression que c'est un responsable, c'est un père de famille. À Koso Manine. C'est ça la question, il y a moi là. Donc en réalité, si on s'en calcule très bien, il n'y a pas des avancées. Dans le secteur, voilà, il n'y a pas des avancées. Et ce qui est encore grave, c'est quoi? À le bio, non, voilà, c'est toi, Kabila, va créer au moins 400 000. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Si il y a des choses dans le secteur, vous allez dans ce secteur, dans le secteur, il y a un PSP. Sur quoi la moindre des choses, il y a que le cabaret, que ben, formation, ils assurent. Parce que aujourd'hui, il va créer 400 000 pour des besoins électoraux. Comment? Par quel miracle? Et c'est demandé. Parce que je sais, madame, avec la loi des 2016, pour ne pas accéder à la fonction publique, il y a des mots. Soit par concours, soit par titre. Au ce moment, par quel miracle, le régime est passé à Kabila, bâtir 400 000 pour des besoins électoraux. Mais madame, quel a été le ministre à l'époque? Là, il ne saura pas. C'était madame. Mais je suis toujours dans les racontards. Sur ça, les mal à IDPS. Le temps qu'il y a de voir, ça série. Oh, le peuple a zozé là. Malheureusement, parfois, vous y a. Oh non, c'est Kabila. Oh, les chefs, mais écoutez. La question qu'il y a même dans les chefs, ah, madame. Qui est aujourd'hui dans ce secteur-là? C'est Tony Mouba. Tony Mouba, il est venu à ça déjà 2h30. Depuis qu'il est là, madame. À Chandra, le monde se copie comme ça, moi, Dinakop. Tony Mouba, tout ça, la campagne. Lui, c'est pas ça, la Gakuna Yébi. Il y a une campagne, c'est pas la Golbaké, non? Bah, maîtriser effectif. Il y a un enseignant à 4 yambo quand même. Et que les fichiers à l'enseignant, ils sont là qui maîtrisaient déjà. Sauf maintenant à Google. Mais quand Lingué dans sa révélation en même, il acquise qui? C'est le ministre à toi. C'est le ministre parce que lui il a fait la campagne. Il y a quand même à maîtriser le secteur de Yawana. A Lingué dans le secteur de Yahé. Oh yé, Tony Mouba tout ça là. Partenaire va vous dépêche. Mais déceler ce qui se passe réellement dans le secteur. C'est encore quelle leçon quoi? Ok, la fonction publique. Aujourd'hui, qui a la tête de la fonction publique? C'est Liao. Liao, il est qui? C'est membre de l'Union Sacrée. Donc, nous sommes dans la zone. Il oublie que non, Liao a recruté. Il y a eu un concours ici, madame. Bah, je même suis même concours pas. Bah, recruté par titre. Sur base de ma diplôme, il y a bateau. Là, il est bien monté. Très bien. Il oublie encore, peut-être, d'acheter par là, madame. 30 secondes. La question, ma caméta, la même dossier à l'ICEF.
Ce qu'on a eu rapport à l'ISEF, l'ISEF a quest qui la préparation des secrétaires généraux. Le secrétaire général, tu vas battre, c'est la réussite de secrétaire. Va changer, va recruter, va madame. La plupart des dossiers va combattre. C'est basé à l'issue déclarative. Il y a un peu de bataille de personnes. Ce qu'on lui pose à communicateur, la moindre des choses. Ressourcez-vous. Posez-vous là pour ça. Là. Bah, pour ça, dans l'incantation, dans le plateau, c'est Kabila, c'est Kabila. Non. On a démontré là-dessus seulement quelques échantillons, madame. Il y a qu'on démontre que non. Tout ça, là, 5 ans, il y a gâchis. 5 ans, il n'y a rien pour le peuple congolais. C'est ce qu'il a passé 5 ans, madame. Il y a côté de Congolais, illusion à 4 ans, tout d'abord. Il y a 4 ans, ça, du populisme. Il y a 4 ans, voyage. Mais sur le terrain, vous avez rattrapé. Très bien. Merci donc, beaucoup. Sur le terrain, aujourd'hui, madame, rien que dans la situation à N23, regardez comment tu sais des patrons. Merci beaucoup. Je vous reviens. Je vous reviens. Je vous reviens. Situation sécuritaire, situation sociale. Il y a un des actes parmi éléments Makassi pour chef de l'État, l'Obaka, le peuple d'abord. Et à Tangisa, l'Obaka, Pelikambetali, Kimia, Kosala, Nyon, Sopona, Ozongisa, Kimia, Lelo, Ndekolobi, apparemment, Bozo, Tatone, Mokotoke, Nayes, Simbite, Tozong, Nasadek, Simbite, à quand la pacification de l'Est? Est-ce que tu reçois un mandat au na Kimia, na Est, pour que Bandeko, merci beaucoup, maman. Maman, on a quitté mon pied. On a quitté mon pied. Et on a dit que nous avons un combo en déco pour nous avoir un combo parce que nous avons entrevu sur ma camarade de père et de mère. Camarade Jano, sur le talim à l'âme, a rebondi dans ma cambo de lobby à Bilal, chef de l'État. Ce que je suis Jano, mon toit FCC à Kabila, Naomi, Zongi Sagaye Simate, tout n'a eu binobosali 18 ans. Félix a sali 4 ans. Na 18 ans, on a un secteur au boutique nini, un secteur au boutique nini, un secteur au boutique nini, un secteur. Naomi, tout n'a pas de FCC Bongo. Parce qu'il n'a répondu que sous le bilan à Bissot. Donc, a accompagné le bilan à Bissot. Mais où est Bango à Bombi, population à Yogité? Est-ce que Jeannot, tu sais que dans ce pays, toutes les zones de commandement militaire étaient dirigées par des Rwandais? Est-ce que tu le sais, Jeannot? Qui les a nommés? Non, non, c'est la parole. S'il vous plaît. Je suis prêt. Je vous en prie. Jeannot, celui qui est en face de vous, je suis ancien parsec, vice-ministre de la Défense. Ok. Celui qui est en face de vous, quoi c'est que je te dis? Dans ce pays, s'il vous plaît. Vice-ministre, il y a défense. Oh, Azala qui parle de ministre. S'il vous plaît. Oh, à côté de Nyon Sakré. S'il vous plaît. Assumez-vous alors. S'il vous plaît. Jeannot, précisez les Congolais, Bayeba. Précisez, Bayeba. Laissez-moi parler. Est-ce que vous avez dit, Jeannot, que dans Mboka Oyo, Kabila Tiki, zone militaire, dirigée par les jeux étrangers, est-ce que vous avez dit, Jeannot, pendant 18 ans, Moussali, tous les postes de commandement étaient nommés à partir du Rwanda? Est-ce que vous le savez, Jeannot? Est-ce que Jeannot, vous le savez, dans ce pays, Kabila ne pouvait jamais citer clairement que le Rwanda voulait une portion de terre chez nous. Toutes ces choses, il a fallu un Congolais ayant le sang ici, ou à Tika Montolone, à l'Ouabisouba Pinatolobak, pour Makambo et Bima au clair. Aujourd'hui, toutes les zones militaires sont occupées par des Congolais. Madame, ce n'était pas possible il y a 18 ans. Nous étions au point où il ne nous restait qu'un jour, on se réveille un matin. On nous dit que vous n'êtes plus des Congolais. Trouvez votre pays. Voilà, sous le plan militaire, nous étions extrêmement infiltrés. Il a fallu attendre. Démontrer, madame. À quel niveau démontrer? Je suis entré par là. Les peuples, là, n'avaient pas de Congolais. Natal, ils sont il n'a même pas une précision. Je vous parle. Pas. Sur le même rectorat, il y a des pèses. Il ramasse ici. Assaut généralisé. J'annonce. Donnez des précisions. Nous avons eu cette chance de gérer le pays. D'une certaine manière, nous avons eu à participer. Je ne cite pas les zones militaires. Je vous dis toutes les zones militaires. Citez-en quelques zones que vous connaissez. Et on vous dira. Ce que je vous dis ici, c'est réel et c'est du vrai. Il a fallu quelqu'un, un Congolais, pour renverser la tendance. Est-ce que vous le savez, Madame Naomi, que notre armée, l'âge maximal, c'était dans les 50 ans et que Kabila n'a pas recruté pendant les 18 ans? Est-ce que vous le savez? Pourquoi il n'a pas pu recruter? Est-ce que vous le savez, Madame Naomi, que l'aspect Kuluna que nous voyons aujourd'hui dans nos quartiers, c'est un phénomène tout qui a été importé à la FDC? Entre-temps,
on tue l'éducation, on ne veut pas que les Congolais puissent s'instruire. Entre temps, on les ramène une façon de faire, de se battre. Aujourd'hui, nous nous peinons de l'insécurité. Il y avait un plan, madame, pour que ces pays soient un jour une propriété des individus rwandais. Aujourd'hui, madame, rien que la construction des écoles au niveau du territoire, nous reprenons ce qui est de l'éducation de notre population. Madame, ça, il n'en parle pas pendant 18 ans. Kabila en a construit combien d'écoles? Où? On parle de 18 ans, madame. Ici, il s'agit de 4 ans. Il y a des territoires dans notre pays, pendant les 18 ans de Joseph Kabila, ils n'ont même pas vu un tracteur passer. C'est un bilan. Il parle du taux d'inflation. Ça, c'est mon secteur. Il parle de moi. Aujourd'hui, les taux de change en termes d'inflation ne diffèrent pas avec ce que nous touchions il y a 7 ans en termes de pourcentage dépassant 0,8%, par exemple. Cela veut dire quoi? Il dit, quand on touchait 160 000 francs congolais, les taux étaient je me souviens, les taux étaient, ça variait entre de 190 et 200. L'écart, vous allez voir que ce n'est pas 20 000 francs. Ce n'est pas 15 000. Aujourd'hui, madame, la gratuité, les gens ne comprennent pas. La gratuité est venue participer au panier de la ménagère. Une dame qui payait 800 dollars pour les frais scolaires de ses enfants, avec l'aide de la gratuité. Parce que comme vous le savez, la gratuité est prise en charge à hauteur de 1,5 milliard de dollars américains. Ce qui coûte à l'État pour faire face à la gratuité. C'est-à-dire que l'État a pris de la caisse de l'État, il a fait une redistribution au niveau national de la population à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Et ces 1,5 milliard de dollars, la population d'une manière ou d'une autre en épargne. Vous comprenez? Ça, c'est un bilan. Quand vous posez la question aux amis de FCC, demandez-leur qu'est-ce qu'ils en ont fait pendant les 18 ans. Cette disposition de Félix Tshisekedi, de la gratuité, c'était consenti dans notre constitution. Vous ne le faites pas pendant 18 ans. Quelqu'un qui vient il y a 2 ans, il l'applique, mais vous critiquez dessus. Mais il faut être sûr. Non, madame Naomi, il n'y a pas de tâtonnement. Sur le chemin de la solution, il y a des plans. Il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C. Okay. C'est un chemin qui nous amène à une solution. Madame Naomi, vous êtes responsable. Oza, maman yanda. Nous mouni nanda kou likambo y komi. Oko fan de kokangama bokote. Kokangama boko n'est pas condamnable. En tant que responsable, vous devez vous battre pour trouver une solution. EAC, les lots. EAC et épargné biso kou et yagoma. N'est-ce pas que c'est une contribution? Les lots. EAC et permettre peut-être beaucoup faire moutou moko. Parce que vous voyez que 1,23, Bazana qui n'a Bounagana, Bakanga qui n'a Bounagana, Nakata Bounagana va bander la loi. Mais les lots, c'est depuis Azawana, tant soit paix, il y a une réduction, il y a cruauté, il y a Kobouma Bakongolais. Malgré que ce soit vu la zone au Bakébazo, ça m'a l'air, moi qu'on a la. C'est ce que j'ai dit. Ce qui est en mesure, il y a quoi porter, Blan Moko, ou il y a épargner vie à Congolais, attends Moko, madame. C'est une solution à mi-parcours. Mais tu te rends compte que peut-être que nous allons avec un autre plan. Ce n'est pas condamnable, madame. Nous sommes à la voie vers la solution, à la recherche de la solution. La finalité, c'est voir l'Est pacifié. Voir nos concitoyens qui vivent de l'autre côté vivre en paix. La finalité, c'est là. C'est-à-dire que ça passe par EAC, que ça passe par SADC. Nous souhaitons que la paix revienne à l'Est. Et c'est le défi que le chef de l'État a. Et sa préoccupation. Si vous le voyez sillonner ça et là, chercher des solutions, c'est parce que nous voulons ce que, ne serait-ce que la vie d'un Congolais soit sauvée. Et je crois que EAC, en dépit de ses fautes, en dépit des limites, ils ont eu quand même à nous épargner les morts de plus.
Très bien. Merci beaucoup. Maître Jeannot Lopépé, tout le monde est là. Pour Nabino, on est Mouindou, pour Nabino, on est Kotambolaté. Sur le plan sécuritaire, ben, force Félix Tshisekedi, chef de l'État, Saleti, le lot, et ça, ben, fort, Bino, peut-être, pour ça, la raté, pour ça, et là, pour nous, ben, clairement, que nous sommes agressés par le Rwanda. Le lot, gérant si la situation sécuritaire sous Félix Tshisekedi, le lot, nous avons géré. Non, mais, madame Webi, moi, je suis content parce que. Le co-débatteur en face, il a du mal à vous raconter. C'est comme ça que non, il part, tantôt il touche ici, il touche là-bas. Ce qui est encore grave, imaginez que non, il est communicateur du lieu sacré. Mais il contredit même Tshisekedi Yemo. Ça, c'est très grave. Je crains qu'après la mission au Bakolomoula, parce que ceux qui est mission eux, Natine Lamo Fumutoto, votre responsable et le lieu sacré va communicateur, je crois qu'il y a un existement d'eux. Parce que Aïmi, Alomi, oh non, voilà, les ERC, et il y a quoi sur ma mission, pour que mon temps pour la gomme. Ah, vous avez suivi ce que tu sais hier? Non, vous. La gamme, s'il vous plaît. Aux autres, transformer ma dîme. Les antennes, on a l'antenne. Oui, mais. Vous avez suivi ce que tu sais dit hier? La gamme, la botouana. On en est qu'à voter. Très bien. On en est à voter. Parce que ce qu'on a dit, gamme, discours de vos amis, on a dit. Non. S'il vous plaît, ce qui gomme est tombé, pour l'information, c'est d'abord un. C'est parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais, à sa que vit la goma et couillette. Nos appels étaient opposés. Bappel haute, ça la qui madame. Pour nous rappeler, la vigilance citoyenne. C'est ce qui même à la base que le loi goma est tombé. Dernièrement, alors, madame, il y a eu un programme, un plan, pour nous bloquer ravitaillement à goma. Malheureusement, comme les Congolais sont debout. Pendant les camarades, madame, va faire face à Yango, Goma est tombé. Ce qui est là, sur le plan sécurité, parce qu'il est vente d'abord le projet à 145 territoires. Madame, oui, projet à 145 territoires, et ça, les derniers, frappe. Il y a un régime à régimes anti-sécurité. Dès qu'on mettra le bilan à Kabila à 18 ans. Mais t'as les solos à Kabila à Kabila. Aujourd'hui, tout ça, les lois, ils ont les 10. 18 ans, Kabila fait 10. Quoi? Dites-le nous. Dis-moi, depuis qu'il va lancer pour Gabouana. Dans quel est le territoire où Michel et Salim? Ce qu'on lit là, autant qu'on a dans tout cas l'espace, il y a grand équateur. Dans tous les territoires, à ta Michel, il y a un plateau ici, à ta Michel, il y a une incantation. Ça, c'est le territoire où? Toi, quelqu'un dans l'armée, madame, ne répond pas les questions. Alors, bien, on a l'infiltration dans la zone de Nyonso. Mais dans la 20e zone, il y a l'équateur. Dis-moi, quel est le dis-moi, combat général où est-ce que tu es Rwandais? Parce que avant tout la décentralisation de manière générale, tout ça qui n'a pas district. Yébisanga district, il y a Maïndo, il y a King Awa, il y a Kwango Awa, il y a Zaki Rwanda, Zaki dirigé par les Rwandais. À côté de mon côté. Là, à côté de mon côté. Surtout qu'il y a un ancien district, madame, il y a Tchopo, il y a Ituri, à côté de mon côté. Mais comme ça, il y a des places, il y a une théorie à Kadiosha. Face à un combattant, si vous avez argumenté, non, on a infiltré l'armée, il y a eu des Rwandais. Mais on se dit que Tshisekedi a tous les pouvoirs. Il a ce qu'on appelle ça le levier du pouvoir. Pourquoi il n'arrête pas? C'est le même, on se dit que critiquer la Rwanda. Mais Tshisekedi dit le mot, c'est l'ami de Paul Kagame. Lui n'a pas suivi les propos de comment il s'appelle, Nicolas Kazadi. Kazadi a dit ça, madame. Donc, maintenant, tout ça, vous voyez, tout ce que vous avez dit, tantôt il contredit ici dans les plateaux. Mais on va oh bah ça dans le siècle Tshisekedi il dit autre chose et laisse encore des contradictions. Alors on va au sacré. Madame la question sécuritaire. Dans le même moment de début émission en introduction dans l'aïe. Tshisekedi n'a pas une vision claire. Parce que imaginez madame, aïe a continué à garder son pouvoir. Bah ça les passations a remis ses reprises. L'ancien président de la République. Tshisekedi a trouvé des rapports madame sur notre pays vis-à-vis d'un pays voisin. Tous les pays limitrophes il y a beaucoup de choses n'est-ce pas c'est à Estewana. Il a trouvé des rapports. Il y a chaque pays entre le Congo avec l'Ouganda, entre le Congo avec la Tanzanie, entre le Congo avec le Rwanda. Tous les pays là, madame. Tshisekedi a trouvé des rapports. Mais pourquoi il n'a pas fait l'usage des rapports Rwanda? Un, c'est d'abord la négligence. Deuxième élément encore, à l'époque, dans le père à son âme, le général Defe Kaimi. Kaimi a dit à Tshisekedi, n'acceptez pas que nous faisons ça Karega. Ah, c'est là comme ambassadeur à notre pays. Tshisekedi a eu qu'à voter. Tshisekedi est le seul pays où il y a Benga Kagame na Rwanda, Awa na Kinshasa. Bah, qu'est-ce que ça de Mati? Il n'y a pas ça là, quand on a Mati. Bah, maintenant, quand on a Mabo, il y a.
Mais il faut en dire les choses. On la cadre de l'effort, madame. Il faut en dire les choses. Basa va convoiter notre richesse. Basa va vérité va expansionniste dans notre pays. Il y a un moment qui est dans la RCT. Il faudrait travailler avec d'autres organisations. On va faire vrais amis à Congo. On va avoir un soutien là-bas autrement. Nous, on a une différence à moi. Ce qu'on a dit, c'est que non seulement on a volé à l'époque, il y a Kabila. Ton loi dit, madame, que non. La solution à Congo, c'est d'abord notre pays nous-mêmes. Il fallait pencher à réformer davantage. Il y a qu'on équipe encore davantage notre armée. Et vous l'avez fait? Non, bien sûr, madame. Quand tu seras dans ton pouvoir, bah, ça, les cérémonies, je crois que c'était le 24 2019 janvier, tu seras dans ton pouvoir. Na, le 30 juillet, la même année 2019, au moins qui armé, au moins qui a fait ADC. Au moins qui a mot, quel est le passe militaire à faire ADC. Lélo, madame, attends à Kinshasa, allez vérifier sur ce que Kabila a laissé. Parce que visuel, c'est là qui. Parce que nous avons compris que non, tout ce que nous avons comme richesse, il y a un bon cannabis, il y a sous-sol. Oh, ça me pensait pas congolais, il fallait tout préparer en haut. Il fallait tout en amener qui peut nous défendre en haut. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si c'est que la Kaye n'a pas madame, aucune vision, il y a sécurité. A quelqu'un de bon, il a bien opéré à côté de la madame. Les lois, tu sais qu'il dit, à saliver ta face. Pour nous contrôler encore, l'EAC. L'homme qui s'est critiqué, la force régionale, il y a madame. Moi, j'aurais voulu. Que tu sais que le mot a son courage à critiquer force y a EAC dans le cadre de la chômage de l'État. Parce que quand tu sais, Nini, mi parcours, il y a évolution il y a 10 ans après. Il y a encore à dire ça, mais la plupart des chefs de l'État, on va dire que EAC, mais c'est là qui est présent. Pourquoi tu sais que le même mot pourquoi le même mot est devant le chef de l'État, membre de EAC? Malheureusement, à moins que le mot qu'on a, à qui que le mot qu'on a dit, dans Botswana. Il a critiqué ou non ce qui s'est mis à terre dans le mois de juin. Vous voyez qu'il. Mais est-ce que vous connaissez les conséquences? Vous pensez que la EAC, madame, va regarder la facilité de la non! Si c'est que la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, il y a piège. Oh, il se rend compte que non. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, il y a l'Iboulou. L'espace est restauré, vous allez balkaniser. Parce que tu sais que c'est une vision. C'est quoi, il y a comme un tantonné. Maintenant, il fait une déclaration, non, voilà, il est contre la force ONU. Mais depuis longtemps, tout le monde a dit n'a pas écouté. En ce moment, c'est que non, et c'est madame, bah, qu'on libère la facilité. Parce que là où nous gagnons le contrôle, bah, zone ONU, bah, qu'on libère la mandée. Par quel miracle, par quelle contrainte, juridique ou diplomatie, bah, qu'on libère. Bah, qu'on libère la mandée. Parce que, bah, ça, qu'on profite de la richesse, il y a Congo. Bah, ça, qu'on se batte. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame. Mais, monsieur, c'était une piège, ça qui piège. Il y a qu'on dit, mais ma force, on n'a pas la carte à beaucoup de bisous. Parce que Kozong en a bango, ça va nous coûter cher. On va dire que c'est à ce qu'on sur le terrain. Naïon a été bien, on a très bien. Mais on se comprend. Naïon qui même que non, Abunagana, c'est la monnaie ougandaise. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dans ces pays, ce comme ça que nous disons, madame, la question de la sécurité à beaucoup de bisous, tu sais que la Zaki n'a vision T. Il a un temps pour voir sans vision claire dans le domaine de la sécurité. Parce que imaginez-vous, ceux qui n'ont pas été regardés. Crise qui a la Kwamutu, ah on a Kwamutu madame. Tout pas de Kinshasa. Crise où on entre les Bayaka et les Teki. Jusqu'à présent, il y a encore des morts. Merci beaucoup. Aucune okay, nature, c'est ce que dit le mot. Merci. Tu madame. Par quel manger. Même si vous avez fait que la voix m'a dit que non, ok, la belle élection, vous êtes ce que dit. C'est impossible, très madame. Bien. Merci beaucoup. Parce que vous avez dit que non, c'est ce que dit, a échoué sur tous les plats. Mais il a, aussi, motos, il a aussi hérité. Non, mais il a hérité, madame. C'est ce qui n'a pas hérité quand même, les gars. Tu sais qu'elle a hérité Ram Terre. Est-ce que tu sais qu'elle a hérité Ram? Est-ce que tu sais qu'elle a hérité ma promesse? Est-ce que tu sais qu'elle a hérité, madame? A hérité ce pays debout. Oui, madame, question pour ça simple. Il est intellectuel comme moi. Comment Kabila a trouvé ce pays en 2001? C'est tout le même pays à Congo Zagindéine. Mais Kabila a travaillé. Au lieu de travailler, vous avez le cas. Quel est le cas? Mais Kabila a pris 18 ans. Non, mais s'il vous plaît, madame. 4 ans, 18 ans de sacrifice. 18 ans d'abord, de sacrifice, de la reconstruction. Il fallait encore doter ce pays la démocratie. La démocratie est là, madame.
Ce pays nous remet dans l'élection. C'est grâce à qui? Merci beaucoup. C'est un travail de longue haleine. Merci beaucoup, Mme Boka. Merci beaucoup, candidat président de la République, Bazali, moi, Kopé, ça est belé. Tout le monde a qui de Kodali, c'est Sanga récemment en France. Ça a Kopé, ça plan, naïe. Nawe, Tali Bongo, Congo, ya Sika, Kopé, ça. Il y a un programme. Moutoula, Moutazo, ya la Makansinae, pour la Kotonga, Ekolo, Congo, Nani Penza, Sengedi, Kokamba, Boka, Nani Penza, Akoki, Kotombo. La école tozokoma presque na souka émission na biso monsieur Jérémy Kilubu tozongé la situation en colia tolobeli sécurité tolobeli emploi tolobeli éducation malikamba colia masangu na katanga na kasai ezalité kolobana Kinshasa te pour problème colia koma vraiment casse-tête pour na bana mboka bayimboka lobie leki mona mboka porte-parole ya gouvernement lobie ezaki na main noire moko na sima na yango est-ce que na likamba colia pe depuis bokoti na 4 ans bon mais qui ko relever des Merci beaucoup maman Naomi. Nakanisi nako zongi la mutuna na yo. Mais yana cha précision moko. Ya mukuse kaka na maloba ndeko na ngai. Oui. Jano. Nakanisi ndeko oza animé na mauvaise foi. Au retour de sa papier. Le kolobake. Non, quand à combien a-t-il papa? Il est difficile à défendre le pouvoir. Au retour de la loi. Allez-y. Lelo, bakongolo baza ko tala biso, oko bimandoki. Oh là là. Ya koloba ki kabila tiki. Na zana ba kongolo wana. Boka de. Na zana ba kongolo na chaque jour. Ndeko, ya koloba ki après biso na zana ba kabila tiki li biso mboka debu. Bakongolo bazola nda biso, ozo bimandoki. Ya bisa biso debu wana na ba secteur nyo sal, yela biso ba chiffre. Je suis là, madame Nami. Qu'est-ce qui nous a laissé? Vous plaît. Vous plaît. Mboka wo debu. Dans le pays sérieux, Kabila c'est quelqu'un qui ne pouvait même plus prendre parole. Oh. Il a laissé le pays dans les boulots moko koko imaginez parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui il s'agit de quel est le boulot sur le plan sécuritaire non aspect sécuritaire autour du bas lelo tout ce que nous vivons avec le Rwanda ce sont le pacte et les accords que Kabila nous a signés. Ça vous le savez, ça c'est un élément très important. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, madame, ce sont les accords qui Kabila s'il vous plaît. Non, mais non, madame, au moins, s'il vous plaît. Est-ce que tu as recruté? Non, c'est pas une dépêche à la survie. Est-ce que lui est encore? Est-ce que vous avez avancé? Est-ce que vous voulez même encore? Est-ce que vous avez clan Kabila n'a pas de nommage chef d'état-major néerlandais? Est-ce que vous avez bien? Voilà, voilà. On a apprendre en haut. Madame Tosongue la Massangou. Il faut savoir, madame, il faut dire à la population la vérité. Tout ce qui est question économique, tout ce qui est solution sur le plan développement, l'État m'a même gagné en sauté. Les Congolais ne peuvent pas croiser les bras, attendre à ce que l'État aille roulona bilangali bosonaye, alonele masangu. L'État favorise l'environnement dans ce que nous appelons le plan d'investissement public. C'est-à-dire, sur le plan agricole, l'État trace des grandes lignes. Bon objectif à miner, par exemple, faire des routes à caractère agricole, faciliter l'obtention d'argent, faire ceci, faire cela. Le reste, la population devrait aussi mettre la main dans la pâte. Il faut que nous sachions dire la vérité à la population. Responsabilité à partager. Aujourd'hui, Bissonius Tontos a un bureaucrate. Bissonius Tontos a une fonction publique. Tous a un salaire permanent. Bissonius Tontos a un politicien. Tout rouler carrosse, c'est une évidence parce que les lots, bateau moi, position à Malungo et Zali sont soit des politiciens, soit bateau basaba, bureaucrate, tout ça. Les gens ne savent pas aller cultiver. Tout ça, la bactère est belé arabe, mais que la population congolaise dans l'ensemble, tout le monde est maté. Voilà, à niveau, on a canissé, il faut l'État à ça la paix sensibilisation. Mais madame, mais tout aussi cas spécifique à ma province Mibale. Il faut relayer ma madame Naomi. Il faut savoir dire la vérité. La situation de crise à maïs et à la Congo Mobimate, c'est deux provinces sur 26. Et ça, la situation dans la Kasai, et ça, la situation dans la Katanga. Et ça, deux provinces sur 26. Ne donnez pas l'impression que Congo Mobima, Douzangi Massangu, na Congo Central Massangu Ezate, na Bandundu Massangu Ezate, ce n'est pas la situation. La situation, c'est dans ces deux provinces-là spécifiques. Tout le temps, on se dit Moko Moko. Tout le monde dans la province à Katanga. Il faut voir que Katanga est la province minière. Mais il y a des revenus qui sont minerais.
le coup là les autres salut comme on a bah revenu na biso et mati makasi pour na bah ni niveau production biso minerai mati na katanga production à maïs et zali mouke makasi, c'est à dire la demande est supérieure, l'offre est inférieure, tout ce qui est rare est cher, ça fait que le prix augmente parce qu'il y a une rareté, la production ne rencontre pas la demande. La production est moins importante, la demande est plus importante. Et ça crée cette rareté. Cela est dû à la production faible, d'un côté. De l'autre côté, tout cela va s'y plaire dans la province, dans le pays voisin, entre autres Zambie. Tout ce qu'on a, il n'y a pas longtemps à Bino. Du coup, tout le monde a dit, mais ça, il y a Zambie, c'est quoi ta société? Est-ce que vous comprenez? Parce que comme je le dis, c'est un principe économique très simple. Okay. Ce qui est rare est cher. Mm-hmm. Du fait que Zambie a zokota soute et que production provinciale est minimale, et ça li que prix est mati. Le gouvernement atteint des délégations. Bah, nous se rendons compte dans le niveau à Zambie. Maman, mission wana oyo, excellence, le VPM caméra conduit, et ça mission moro très très importante pour la nation. Ni que de cette mission. Bah, l'information est bien de ton tour. Ni, il est le seul à votre mission. Est-ce que vous soutenez une mission à Kamel s'il vous plaît. On a du tourisme. S'il vous plaît. Ndeko Janon. Tous avec intellectuels. Je crois que ce sont les intellectuels qui nous regardent. Vous soutenez à vous. Janon, tous avec intellectuels. S'il vous plaît. S'il vous plaît, parce qu'on nous regarde, on n'est pas de petits messieurs. Aujourd'hui, on se rend compte que même les autorités zambiennes ne sont même pas au courant que Maïs a Zambie de cotation dans le monde acheté. Il faut détecter main noire. Et elle est bosso. On ne comprend pas pourquoi le producteur de maïs y a Zambie. Parce que Zambie a la quantité et belé à production. Baza bateau va tourner vers l'agriculture. Balonaka. Baza la production est belé. Obisou va congoler tout ça la raté. Tout ça au lingi bureau. Mais du coup, production est katani. Nana zali ko sala bongo. Et ça va ne onabisou à Kaya Moïse Katoupi. Ça, il faut le dire nommément. Bateau bas. Oui, c'est clair. Ça, je le dirai sans mettre de l'eau dans ma bouche. Bateau bazo benga batna marche wana. C'est pas, c'est encore quand? Le 13 mai. Le 13 mai, bateau wana. Moïse Katoumi, du fait qu'il a des entrées fournies au niveau de Zambie, par rapport à ba nationalité naïe, il joue avec les entrepreneurs zambiennes. Bah, côté sa production, te rareté ça, les manakats à Lubumbashi, et matissa prix, et créer grande sociale à bateau, il a fait tu sais qui. Vous imaginez, madame, un politicien qui compte diriger demain la population congolaise, préfère aujourd'hui qu'il meure de faim pour servir à ses fins politiques. Ce sont des gens qu'il faut sévèrement dénoncer. Aujourd'hui, s'il y a cette rareté au niveau de Lubumbashi, c'est parce que les politiciens véreux traitent avec le producteur de maïs au niveau de la Zambie pour freiner la l'exportation. L'exportation au niveau de la RDC pour que cela serve à la population congolaise. Et je crois, madame Naomi. Population Zolanda Bisso, s'il vous plaît. Oui, est-ce que Moïse Katoumbi a payé ça qui est sur le massacre et pas la Bisso? Et puis, est-ce que Moïse Katoumbi, au bino de l'obozo, funda qui a zo salake, massacre et kotate, est-ce que vous pensez que Moïse Katoumbi est derrière cette histoire? Mais là, pour gagner quoi au fait? Là où tu colobango, madame, à ce qui concerne la production, c'est clair, madame Naomi. Nous appelons à la population congolaise, il y a un sens de la production. Ça, c'est un problème réel. En particulier pour le cas du Katanga. Production de maïs est allée faible. Ça fait que ça rencontre une demande plus élevée. Et ça crée la rareté. Tout ce qui est rare et cher et le prix augmente. Vous comprenez? Ça, c'est un aspect que j'ai compris. C'est le principe. Non, c'est ce que j'ai dit. Mais cette rareté, ou ça, manque de production, il y a couverte, bon bakayango, il y a un bon masango le banda. Parce que la production est supposée à 1000 et que la demande est à 1500. Puis on s'allie 1500 aux yeux banda et comme à 1500 pour faire face à la demande. L'offre sera égale à la demande et puis Rosala équilibré. Mais ce qui n'est pas le cas. Maintenant, 500 aux yeux à l'Ibanda parce que tu produis, madame. On ne dit pas qu'on ne produit pas. Mais la production est inférieure à la demande. Surtout les camarades vont oui, mais surtout aux yeux à l'Ibanda. Les politiciens verraient bloquer en gros. Madame, je ne pense pas. Je ne pense pas. Qu'aujourd'hui, nous pouvons nous dormir, nous réveiller. Zambio a salaire en bongue belé à côté comme à Sangou na Katanga, à Katara sans raison. Et pourtant, ils ont des productions, baso préféré bas réorienter en haut ailleurs. Très bien, merci donc, beaucoup. Donc, les lots, vous allez qu'au sein de la population congolaise, cette façon de faire la politique, il faut que la population est condamnée en haut. Faisons la politique autrement. Ou faisons la politique
propre main. Merci vous ne pouvez pas profiter de la faim de la population pour manigancer et chercher à ce que celui qui est là, qui soit haï, pour que vous puissiez y monter. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière et aussi ma responsabilité quoi indexer que c'est lui pour parce que ma sœur nous a contacté et ça m'a opposé. Moi d'abord un décojano le pepe bino bah FCC boutique qui n'est là comme métal colli à l'élo colli est comme problème production comme problème des carottes le bateau toujours produit depuis 18 ans ni les bossa la fin à cette heure la réforme ni les bino boutique à pour que bah d'abord qu'abas soit de quoi colli. Madame Oyebi qui est là ça très content parce que comme on a le motoyeño sacré. Il y a du mal. La question tous les cas simplement métallé à ma sangue en bouc. Alors bien awa, à ça que le magam métallé y a comment l'appelle ça? Magamou y a production à ma sangue. Mais dans ce pays, madame, namboka oyo, namboka oyo. Lui y a sa l'union sacrée non? Quelle est la politique y a production agricole? Le ministère agricole est aligné. Il y a 18 ans politique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, soyons sérieux. Il y a 18 ans politique politique. Madame, non, non, s'il vous plaît, Jeannot, soyons sérieux. Dans 18 ans, vous avez laissé. C'est l'union sacrée. C'est la honte. C'est là qui vient. Ça m'étonne que vous soyez. Ministre Rabino, José Panda. Aza ministre agriculture. Oh là là. Tout n'est plané à tirer en place. Oh, le bino boutique. Il y a 18 ans. Aujourd'hui, ministre Yaya, il y a des Maria, François Roubota. Quel est son plan? Zéro. Il a 18 ans. Vous avez laissé quel plan? Mais ce qui est grave, il vient dans les plateaux. Aïe, il y a une affirmation. Oh, la preuve, il y a 18 ans. Vous avez laissé quel plan? Oh là là. Je suis venu pour ça, mais vous répondez en haut. Oui, les 18 ans, mon cher. Attention, l'affirmation, vous avez la preuve. Dans le plateau, alors, si quelqu'un comme Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, madame, Azali incapable, il a constitué le nom d'un Congolais, ou d'un groupe de Congolais. Oh, yo. Parce qu'on s'est comploté. Parce que vous avez le nom, le gouvernement a détecté une main noire. Mais ça, c'était le nom. Mais lui, il vient dans le plateau, il prend les risques. Il y a quand même c'est de Moïse Katou. Madame, s'il vous plaît. Maman, non, mais s'il vous plaît, maman. S'il vous plaît, madame. Ce qui Moïse a fourni, c'est la preuve. Lui, il a des preuves que non, Moïse Katou m'a bloqué ma samouane. C'est ça l'irresponsabilité de notre gouvernement. C'est un gouvernement irresponsable. Bah dans la vision, madame, est-ce qu'à l'époque à Kabila, au cas de la crise, il y a un moment, à l'époque à Kabila, madame, et pendant qu'à l'époque, au moins même à l'époque, comment nous on a lancé des plantations, mais à l'époque où Moïse Katoumi, à l'époque où gouverneur n'a aucun temps, à la province, il y a gagné aucun temps, on a fait des plantations de maïs, crise, on a quitté, on se comprend, madame, mais qui a donné le même rôle? Parce qu'il n'y a pas de subvention, le gouvernement congolais ne soutient rien. Depuis que tu sais que tu le mouais là, madame, il n'y a rien. J'ai vu, il y a même des madame, il y a des productions locales à travers les Congolais. Il y a même des secteurs privés. Basa pour ça, là, on a un accompagnement du gouvernement congolais. Mais on n'est pas qu'à Kabila. Ça va dire, s'il vous plaît, madame. À l'époque, il y a Kabila. C'est à l'époque, on a fait des plantations dans la Gagatan. On a créé un Bukangalozo. Ah, ok. Bukangalozo, il n'y a pas de la Bézouana. C'est où? Où se comprenez, madame? Où? Non, c'est pas Bukangalozo. Mais Nakitiasa Awa. Maman, non, mais s'il vous plaît. N'a pas de l'eau. Ah, c'est pas insister autour de Bukangalozo. S'il vous plaît. Quand on a la bateke, madame, le lot au Bukangalozo a connu des problèmes. Non, vous avez détourné l'argent, ça n'a pas connu des problèmes. Vous avez détourné l'argent. Je ne suis pas dans ces gens. Dites la vérité. Dites la vérité. Je ne fais pas du populisme. Oh là là. Tout ça, le parlement de Boutéo est à plateau. L'argent est où? Vous ne comprenez pas Bukangalozo, mort d'avoir. À l'époque, il y a eu des stratégies mises en place pour le pallier et le Kouana. Il fallait qu'on renforce notre autoproduction sur le plan interne. Parce que la solution, c'est d'abord nous-mêmes. Nous sommes un pays à dimension continentale. Il faudrait qu'on se prépare à tous les niveaux, dans tous les secteurs, de sorte que non, Babylon, quand on est magasin. Mais parce qu'on discrète le gouvernement congolais, on y a soutenu un mot. Bakay tourisme n'a plus ici. Oh là là. Bakay tourisme. Bakay plus de 10 ministres. Quand même, on a zéro résultat. De façon, on a zéro résultat, madame. Façon, on a massacré. Façon, on a promesse. Oh non, nous avons réglé l'affaire. Quelle affaire vous avez réglé? Mais voilà, José Layo. Nazo Zelayo, pendant 18 ans, tu as très bien l'angabre. Franchement. Tu as très bien l'angabre. Madame, n'a pas su exact. Pendant 18 ans. D'abord, s'il vous plaît, madame. Pendant 18 ans, n'a pas su que le problème, il y a pénurie alimentaire, il y a maïs, il y a machine, n'est-ce pas?
y a grand Katan, même la grand Kassa et Banego Kanate. On se regarde la période de Kabila, Massaoué Matana Namouzoumaï, on se regarde. On se souvient de sa mère, maman. Pose la question au Kassaïen. Pendant 18 ans à Kabila, on regarde la Namouzoumaï, Nakananga, ou bien à Tikaba, Babi Mazak Massam. Neko, apparemment, dans l'information, parce que production va être concernée, madame. Par production locale, rareté à Massamo, on a capté les lotés mis en place pour nous parler de l'Okoana. Malheureusement, oh, bah, il est le Awa, bah, bon, mi amour. Oh là là, bah, bon, mi amour, madame. Il n'y a aucune politique dans le secteur. La chasse Hollande, d'ailleurs, la population Hollande, maman Naomi. Peuple a aimé qu'il y a à l'époque, il y a Kabila. Même il y a pas de la Kassai. N'est-ce pas si grand Kassai? La Kassai. Massangou est invité, madame. Très bien. Papa, n'est-ce pas que Massangou est Bastok, c'est Bastok qui manque local. Vous savez comment, parce qu'il y a une production locale. Même si c'est la quantité à Mouké, mais il faut qu'on renforce un peu davantage. Malheureusement, le gouvernement, ouais, c'est que tu le mot. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Merci. Bazo c'est Kambo Kambo parce que tu sais que tu le vois visuel ils ont banaté madame. Merci. Parce merci. Merci beaucoup. C'est grave. Merci beaucoup. Tout une minute à chacun pour na tous Ali Lobayasuka. Est-ce que Félix Tshisekedi mérite-t-il confiance à la Congolais pour na 5 ans sous ses Ali Koyande ko Jérémy Kidubu. Est-ce que bana mboka Félix basala Félix Tshisekedi confiance et pour nani. Maman na kanisa na te ni situation na mesa. Au moins yango malamu. Ce que Félix a fait dans les 4 ans, aucun autre président l'a fait avant lui. Ni pendant, avant l'indépendance, ni après l'indépendance. Lelo Oyo, ben indicateur nyonso, il a dit que secteur nyonso ya vie, ya mboka, il a touché. D'une certaine manière, dans le but que tout ça les nyonso, mais tout ça les belé. Félix a un bilan très élogé. Très élogé. Avis à la peuple, elles ont partagé sur, sur le plan, c'est ce que j'ai dit. Je mets le peuple devant le fait. Pourquoi ma 141 sur le terrain, ça n'a jamais fait. Que le gouvernement démobilise 1 million, 1 milliard 650 millions. Programme à gratuité enseignement, et tout comme ça, les matés. Où l'État a mobilisé 1 milliard 500 millions de dollars. C'est pour la première fois, Nambo, qu'on a mis sur 5 000 engins lourds. N'a pas tout comme ça, les matés. C'est pour la première fois C'est pour la première fois dans Mboka Nabiso, enseignant Lungwa, salaire n'est pas multiplié par 4. Madame, certainement je suis en train de le parler. Je les énumère, mais ça a impacté la vie des Congolais. Très bien. Je crois qu'il faut que ça ait deuxième mandat pour to tindaye, to tindikaye. A continuer le sous Moussa Loa Bandaki. Mais la canisse n'a pas eu de pour la marche. Il y a les 13. La canisse, si Congolais, il faut que tu aies banni. Là, nous sommes devant notre responsabilité. Ces clics-là, ce sont les clics, c'est un clic des individus qui ont des comptes à rendre à la République. Clic, il y a 4 batouana. Ils ont des comptes à rendre à la République. La canisse, il y a des comptes à rendre à la République. Il y a les bossos, vous imaginez, Moïse Katumbi, Oazam, Kozina Bango, Nazo Pesa Bangombong. Il y a Nazo Salake, Batouba Koufanzala na Katang, Batouba Baliate na Kassai. Pourquoi? Parce qu'il a tiré sympathie à Batou. Est-ce que les Congolais vont accepter de se réveiller le matin? Basokoli Mai, Baké nous accompagne, Moutabongo la marche. Babi, Basa n'a pas. Mata Tamponio, Mata Tamponio, Oyo Lelo a commis leader. Il y a Nazo parmi Batou, Yoba Bomi, économie à Mboka Oyo. Près de 300 millions de dollars, madame, 250 millions, quelque chose. Détourné. Il fallait que nos produits massangouillent qui est partout. Sans compter le reste. C'est un clic de gens qui doivent beaucoup à la République. Et je pense que tout bien Congolais, l'idéal serait de rester à la maison qui allait se joindre avec des gens qui du reste n'ont pas le cœur à même. Très bien, merci beaucoup. Merci à l'opposition le 13 mai. Bino Bandeko, FCC, Boza, partie prenante na Likambo Yango. Bango ne peut pas financer. Bon, mais vous tu pas na Bango. Na marche. On a votre mot de la fin. Bon, mais vous tu pas na Bango. Un deuxième mandat. Est-ce qu'il se passe la Madame, vous n'avez pas de mot très rapidement. Oui, que peuple congolais de la Sakoli. Kadiosha et que le Kaisu n'a pas tué Bakongolais. Bah, comme on va l'année de mission, bah, il y a une place de vérité, Zali. Au second, ce n'est pas Moïse Katumbi. Oui, ça va, on va voir, je vais aller à mon arabe, hein.
Ce n'est pas Moïse Katoumbi, le loi, il y a combien de bêtes noires pour la banque. Mais comment expliquer le loi? Et ceux qui ont attisé, et comme la moutou à Katoumbi. Naomi, tout dans ce Kabila aux années. On a dit pouvoir attisé, madame. Je rappelle, la coalition FCC cache. Quand même, il pratique, on ne va pas s'assimiler à ceux qui ont attisé. Non, pas la banque, c'est qui? C'est l'autre personne. C'est le FCC. Le loi va se mettre sous. Le crise à Massamo, comme yo, c'est Katoumbi. C'est irresponsable ça. La marche FCC. Laissez Katoumbi tranquille, madame. Madame, il y a un renouvellement mandat de Tshisekedi. Madame, n'est pas congolais. Congolais, nous avons la conscience. Surtout, ma jeune, ma maman, ma papa, ma lèque, ma yaya. Je vais vous dire que Tshisekedi n'a pas de salité. Parce que ton père de 5 ans à gâchis. Vous avez dit 30 ans, comme il a 35 ans, vous êtes chômé. FCC, vous participez. Vous êtes chômé. Il y a un FCC, madame. Par rapport à l'organisation, il y a marche. Marche, vous allez organiser Oyo. Bah, il y a une opposition. FCC, ça va. Bah, une initiative, il y en a. Et ça, il y a un peu de malambo. Parce qu'il y a une constitutionnelle. Même nous, et nous, du FCC. Puisque de la carte, il y a FCC, madame. Même jusque-là, tous une nos décisions. Pour nous participer, na carte, il y a un peu de malambo. Mais au moins, je sais que non. Na carte, il y a constitution. Et ça, vous pensez que vous opposez. Pouvoir, vous allez avoir marche, les barons. Il y a un peu de Congolais, oui. Tous les Congolais. Vous allez être obligé, il y a une marche ou un an. Vous comprenez, madame? Et ça, il y a un peu de mal. Merci. Parce que c'est le seul moyen de dire que c'est ce que tu veux dire. C'est ce que madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître Jeannot Lopépé. FCC s'est retiré. FCC Zoyo Kanate. Tozali qui n'a pas de cause. Madame, FCC Zali, bel et bien, Tozali. La différence, c'est quoi? Le FCC travaille. Merci beaucoup.